Cher Maxime, comment allez-vous? Vous êtes un de mes plus anciens amis, vous savez. Je suis tellement heureux de revoir cette maison. Avant, il y avait un monde ici. Des musiciens, des représentations théâtrales. Bonsoir, Rachel Roussel, qui s'est suicidée cette nuit dans l'enceinte de la maison d'arrêt. Allô, maman? Elle est morte. Pourquoi tu payes l'enterrement d'un monstre? Tu es devenue mon obsession. Je suis votre avocate. Bon, je suis ici pour vous aider. Alors, le mieux, c'est de me raconter l'histoire. Je l'ai désiré. C'était plus mes bras, c'était plus mes mains. Ça a duré longtemps. J'ai l'impression que ça dure encore. Quand j'étais petite, je passais souvent devant un château. Je rêvais. Un jour, j'ai pris un bidon d'essence et un briquet. Dépravation. Désœuvrement. Elle n'a rien d'exceptionnel, ta cliente. Ton amante, peut-être. Tu me dégoûtes. Je veux que tu quittes ma maison. Je déteste tout ce que tu es, tout ce que tu représentes. Ils voudront rétablir l'ordre des choses, la place de chacun. Beaucoup sont prêts à implanter les abîmes de la turpitude, me trouver devant la déchéance et la perversité. Me tue. Merci, Maxime, pour ces mots.